お前は感情が豊かすぎる。それではいつか破滅するぞ。ああ、この子の長所でもある。え、分かってるさ。だがそれでは。 Attends. Il parlait à qui ? 咲いてる咲いてる。変わらないね。ここからの景色は。 La frappe qui s'est mangée. Il a acheté son... Non ! Oh, c'est trop mignon. Au lieu d'acheter la boussole, il a préféré acheter le peigne. Il arrive à temps quand même. なんで家に。お姉ちゃん、ラフィー無事だったんだね。ごめん、僕のせいだ。違うよ、あんたがいてくれるから。私は前の割れちゃったでしょ。お姉ちゃんの髪綺麗だからちゃんとしないともったいないよ。C'est trop chou。僕が作るよ、お姉ちゃんが幸せになれる世界を。Encore ? 火の夜、なんで全部夢？なんかじゃない！Ah, carrément, genre ils ont envahi le village. Hey! Dirigez-vous vers la ligne. Ah, ok, d'accord.En fait, tout ce qu'ils veulent que je fasse, c'est fuir quoi. Bon, bah tant pis pour la sauvegarde alors, du coup. Ah, bah non, c'est là. What? Mais ils sont partout. Il y a un truc qui m'intrigue en fait, c'est que j'aimerais voir si. S'ils ont eu aussi la pote de Velvet.Mais non, ils sont genre juste à côté du point de sauvegarde, quoi. Tranquille. Oh non, même le petit chat!Le pauvre. Mais regarde, regardez. Ah non, mais même carrément, il y a genre le chat et le chaton, quoi. Les pauvres. Eh, je
peux vraiment mettre zéro dégâts quoi. Pop, 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 pop. Ah ouais, ça va en fait, tu peux la charger petit à petit en fait, la barre de fuite. Oh. Elle n'empêche qu'il ressemble à Link Lou, hein. What? La mère avec sa fille et tout. Et genre, t'es sûr qu'il y a personne qui a survécu là? C'est un peu relou de fuir tous les combats, mais j'ai tellement pas le choix. What? Katsute kono basho de jigoku no futa ga aita. Soshite konya, kyusei no chikara ga fukkatsu suru. Life sect no inochi o ikenie ni shite. Nani o itteru no? Le moment qui marque tellement le tournant de sa vie. Oh, ce cri. Hanashinasai. Sore wa sekai e no sasagemono da. Nande? Mou zettai ni tasukaranai. Uso da, uso da, uso da! Yahari omae wa... 感情に従うのだな。 Ah putain. L'horreur. Thank you.
Elle a carrément été rejetée? Ah. J'ai enfin le bras qui me permet de combattre les démons. D'accord, carrément elle est considérée comme un démon. Ah, c'est rare. Alors, déjà, ça fait plaisir de voir la petite scène qui permet justement de changer la personnalité un petit peu de Velvet, genre ce qui marque le tournant de sa vie. Et n'empêche, ses cris. Ouais, c'est un truc qui me rend ouf. Genre, tu sens qu'elle est vraiment, vraiment vénère. Je kiffe trop sa voix. Et autre chose que sur quoi je voulais m'attarder un petit peu, bon, on va tourner un petit peu autour de lui parce que je pense que ça va enchaîner au niveau des scènes, donc du coup j'aurai pas trop le temps de parler. C'est la scène justement de la mort de la ficette. Genre moi c'est un truc qui m'a un petit peu choqué parce que la scène je l'avais plus ou moins vu déjà je crois dans l'animé. Et plus particulièrement en fait dans la version Jap en fait. J'ai pas fait la version Jap mais c'est l'une des scènes qui était déjà montrée dans un des trailers, des trucs comme ça et tout, et j'étais tombé dessus. Et je trouvais la scène beaucoup plus poignante en fait dans la version Jap où justement tu voyais Arthur qui plantait l'épée sur le corps de la ficette, ce qui expliquait vraiment la plaie ouverte de sang et tout. Alors que là tu vois qu'il balance un spell, c'est trop bizarre comme truc. Bon après d'un autre côté, oh c'est quoi ça, c'est parce que j'ai fait une garde parfaite. Et tu vois en fait que le fait qu'il balance un spell ça fait un petit peu trop, j'ai pas envie de dire gnangnang, mais ça décrédibilise un peu la scène en fait. Et je trouve ça un petit peu dommage. Bon après ils ont fait ça spécialement pour pouvoir justement être interdit au moins de 16 ans je crois, un truc comme ça. Genre pour pas être interdit au moins de 18 ans, enfin pour cause de violence ou des trucs comme ça. Donc du coup ça se pardonne un petit peu, mais je vous invite vraiment à aller voir la scène en Jap pour voir la comparaison. J'essaierai de trouver un bon moment pour mettre ça en description, comme ça vous voyez la différence. Oh la vache. Oh. Putain, il y a sa pote. L'horreur. Mura ni goma byō ga hirogatta no. Anzuru na. Kono itami wa watashi ga. Haimashi Artorius Core Brand ga tome. Elle peut voir Céleste maintenant. Il y en a d'autres. Poriga naze tobu. これが俺の答えなんだよ、ベルベット。ああ、そう。許さなくていい。すべては私の罪だ。ああ。アルトリウス！Genre la scène finit tellement. Yeah.
こうして私の世界は終わった。あれから3年。落とされた闇の底で私は喰らい続けた。ローマの血と肉を。Les démons ont carrément peur d'elle. Ikiru tameni. Ikite. Ano otoko. Ototo no kataki o korosu tameni. Ça la brûle. Ano otoko wa doko ni iru? Mazu wa tamesaneba narimasen. Oshieru kachi ga aru ka dou ka o. Oh. L1 et le stick pour se déplacer rapidement. Ça je connais, ça les place côté. Ah ok. Eh, je l'ai fait. Ok. Non. Ah voilà. C'est vraiment genre c'est foncé dessus avec le timing parfait. Ok. Si vous faites un parapied juste avant une attaque ennemie, vous subirez très peu de dégâts et récupérez un peu de JA. Une âme récupérable pourra également apparaître. C'est ce que j'ai vu sur le monstre dernièrement. Ah bah tiens, j'avais pas vu ça là. なぜ全力を出さない。合格ですね。それがわかるなら。あの男の精霊がこの程度のはずないでしょう。もうあの方の精霊ではありません。あ、ouais? まずこの3年間に起こったことからお話ししましょう。今世界には多数の大魔師が存在し、組織だってゴーマに対抗を。いえ、アルトリウスはどこだ。ミッドガンド領にある王とローグレスにいらっしゃいます。知らなくてよいのですか。あの夜見たものが何なのか。あの夜、あの方がなされた儀式を境に世界は変わりました。多数の精霊が降臨し、それを従えた大魔師たちがゴーマの反乱を食い止めたのです。今や
大魔士の組織聖領を率いるあの方は王国からも民衆からも絶大な信頼を得ています。人を守る盾にしてゴーマを狩る剣、救世主アルトリウス・コールブランドとしてライフィセットを犠牲にして得た力でしょう。ですがまだ完全ではありません。今なら殺すことができます。なぜあんたが？理由は無事に脱獄できたらお話しします。脱獄か。いいわ、誰が何を考えようが私はアルトリウスを殺す、それだけよ。首輝は断ち切りました。急ぎましょう。Glacite du prodige. Permet à l'équipement d'activer une compétence aléatoire améliorant l'une des 6 statistiques de base. Ok. Donc là, t'as quoi? T'as l'attaque, affecte les dégâts des artés cachés et martiaux. Attaque d'arté, affecte les dégâts des artés cachés et non martiaux. Défense réduit, ok, défense d'arté, concentration, affecte le taux de récupération des GA et les chances d'infliger des altérations d'état. Après, t'as la différence entre les artés martiaux, coup de pied rapide, et les artés cachés, violent coup de stock. On commence par les rapides artés martiaux de Velvet avant d'enchaîner avec les artés cachés, et une tactique fiable. Mais les attributs élémentaires de ces derniers les rendent très intéressants en début de combo. Je suis tout seul. J'ai droit à rien du tout. Petit stage en prison, hein. On va bien fouiller avant de se barrer. Mazu wa soubi o. Kono saki no heya ni buki ga arimashita. Ah, ok. Vraiment, je manque d'équipement en fait. がれてはいません。当然ね。この部屋で装備を整えましょう。なるほど、これは nous。囚人から没収した品が保管してあるようですね。ロープか、これは使える。すごい刀。その太刀はゴーラン？なぜこんなところに？私には大きすぎる。いいのですか？ゴーランは希代の名刀ですが、どんなにすごくても使いこなせなきゃ意味がない。Oh, première tenue. Enfin la tenue officielle.
Son regard, il a tellement changé. Elle hésite même pas à les attaquer. いったはずです。私はもうあの方の精霊ではないと。船の用意はここが島だとご存知だったのですね。ええ。凶悪犯を集めた監獄島ってことも、ゴーマが大勢収監されてることも、餌が命乞いしながら教えてくれたわ。 Ah ouais, j'ai vraiment pas pris l'épée cette fois-ci. C'est marrant. Alors, au niveau des RT, ça a changé. J'ai appris des nouveaux trucs, même pas. Ah, j'ai accès au titre là, je crois. Niveau du personnage. Au niveau 10, j'apprends celui-ci, c'est ça? C'est marrant en fait comment ça se développe en fait les titres. あれは特殊な霊力の塊。ある精霊一族の魂のようなものです。3年前の降臨の日以来、世界中に出現しました。降臨の日。これもあの夜のヨハナか。集めておけば、その精霊一族の協力を得られるかもしれません。信じろって。強制するつもりはありません。どうするかはあなたが決めてください。 Ah, c'est la sortie de ce côté-là, ok. Ok, j'ai pas du tout accès de ce côté-là. Kébi va venir. まずは2人。こっち。聞いたか。島の外周道が立ち入り禁止になった。地盤が緩んで崩落の危険があるらしい。監視塔の下を通る道か。もともと感動だし問題はあるまい。港をつなぐ近道だったんだろうな。港をつなぐ外周道。
監視塔の下。警備兵が数名所在不明になった。何者かが島に入り込んだらしい。全大麻所は2体に分かれ、表門と裏門に集合せよ。了解。これで袋のネズミですね。油断はするな。賊がネズミとは限らん。はっ。さすがに手強いですね。ならこっちも戦力を揃える。牢獄はどこ？この国にあるはずですが、囚人たちを巻き込むのですか？そうよ。利用できるものは利用する。J'ai pas trop le choix en fait, hein, en termes de chemin. Nanda Ksamarawa! Kara vous donne des informations sur la cible. Vous pouvez changer de cible en maintenant R1 et en utilisant Left Stick. Cibler et attaquer les bons ennemis pour faire pencher l'issue du combat en votre faveur. Bah, du coup, on va s'attaquer au plus faible. Selon moi, bien sûr. Oh, j'ai lu moi. J'aime assez la chimatsu.Carrément, il y a des sauts sur les portes de prison et tout. Kike, 今から檻を開ける。全員でこの島を出る。マジかよ。に分かれて表門と裏門へ向かえ。門を突破すれば船が手に入る。でも大麻氏が守ってるんだろ。ここから生きて出られたのはバン・アイフリードって海賊だけなんだぜ。ファナイスカイドメルキオルとかいうジジイ大麻氏が連れ出したんだ。自力で出たわけじゃねえ。海賊アイフリード、メルキオル。Je pense qu'on n'a jamais vu un écrit en fait dans le Taser. Dans le Taser, il y a des gens qui ont été en train de se faire. C'est dommage, ils ont mis aucune traduction pour tout ce qui était dit. Même si on imagine que l'idée générale c'était d'être partant avec l'idée de Velvet.他の牢も開けろ。これで警備の目はあいつらに集まる。こっちは監視塔を探すわよ。塔から外周道に降りて港に抜ける。共に戦うのではないのですね。言ったでしょ、利用するって。Elle a tellement changé. Genre, c'est pas comme si elle allait faire attention aux sentiments des autres avant.Et eux, ils restent. Ah.
Ok, on a eu des bottes de combat ici. On va voir de ce côté-ci s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous intéresser. Oh, comme une perle de Minouz. Ok, bah c'est ta conception des choses, hein. Je ne vois pas ce que je pourrais dire. C'est intéressant de mettre des personnages comme ça qui préfèrent juste rester sur place, ne prendre part à aucune révolte ou quoi que ce soit. Ouais, je disais en fait que c'est... Oh! Moi, je peux te parler, toi. Taïmashitachi wa amaku miru na. Minna inuji ni. Iya, gobuji ni da. Koko wo kanri shiteru seiryou to yara wa, sonna ni sugoi tte. Sugoi dokoro ja ne. Taïmashitachi no seiryou wa ima ya, Midgando oukoku to ittai ni natte sekai wo gyūjiru soshiki. Gōma ni natchimatta ningen wa, yōusha naku karareru. Sakarau no wa, 世界を敵に回すのと同じことだぜ。その頂点に立つのはあいつか。ここに捕まったのは運が良かった方さ。化け物になっちまったが、命はあるんだからな。私の餌になるまでは。ね、情報提供どうも。万一ここを脱出できても、シャバには強力な精霊を従えた大魔士が何千人も待ってる。助かる道なんて絶対にないぞ。そんな道なんて求めてないわ。 Oh! Déjà, en fait, le fait de parler à vos personnages quand ils ont un point d'exclamation, ça va te donner un dialogue doublé. Ensuite, tu peux parler au personnage jusqu'à ce que le smiley il disparaisse, en fait. C'est marrant comme truc. Du coup, t'es sûr, là, à ce moment-là, d'avoir fait toutes les discussions avec le personnage? J'espère juste qu'il n'y aura aucun tropège du genre parler à tout le monde un certain nombre de fois ou je sais pas quoi, quoi. Ou parler à tout le monde tout court. Oh, Majilou. Cool, première rencontre avec Majilou.